la personne du Seigneur. Il est monseigneur, il n'est pas évêque, c'est quoi la différence? Oui, mais certainement, il est prêtre et il est resté. C'est-à-dire c'est un prêtre méritant, c'est-à-dire qu'il a vraiment des qualités exceptionnelles, mais également le travail qu'il est en train d'exercer comme évêque, mais aussi bon, au service de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Alors c'est une reconnaissance de la part du Saint-Père François qu'il a élevé, donc... titre donc de monseigneur, c'est-à-dire comme son chapelet, donc de sa sainteté le pape. Il n'a pas de diocèse. Il n'a pas de diocèse, c'est parce qu'il n'est pas un évêque. Et puis tout évêque n'a pas un diocèse. Ce sont des évêques et diocésains qui ont des sièges épiscopaux. Donc c'est un prêtre et c'est tout simplement un titre honorifique pour un prêtre méritant. Jeannot. Et comment retenir ce que vous avez retenu en lui de plus? Ah oui, mais c'est d'abord c'est un grand homme, c'est-à-dire du point de vue d'abord chrétien, c'est un bon chrétien, mais également comme prêtre, il a exercé donc, son ministère sacerdotal avec beaucoup de courage et de détermination, et surtout avec loyauté donc, au service de l'Église, mais également au service du peuple congolais, parce que l'Église est au service du peuple, et c'est ainsi que l'Église travaille toujours pour le bien-être. C'est-à-dire du peuple, donc au service de quel est son gage. Monseigneur, c'est tout ce que deux choses. La première chose, c'est le sens de fraternité qui nous a liés et qui a animé notre travail au niveau du secrétariat général. Avec le premier secrétaire général, d'abord, le grand abbé Léonard Santelli, et lui-même qui venait de nous rejoindre dans l'équipe du secrétariat, puisqu'il venait du séminaire. La deuxième chose, c'est l'esprit d'initiative. Donna a beaucoup d'initiatives.
aussi bien sur le plan des stratégies que sur le plan des contacts avec les gens. Ce sont là les deux aspects que je peux souligner ici par rapport à votre question. Alors, votre grand souci au bien de futur pour les souhaits, bon, je pense que le cardinal l'a bien expliqué et lui-même l'a dit dans son texte. Vous savez, le pape a reconnu ses mérites par rapport au style d'exercice de son ministère, par rapport à sa relation avec les évêques dont il est le porte-parole. Ce que l'abbé transmet, ce qu'il dit, c'est le point de vue des évêques. Ce que je lui souhaite, c'est cette fidélité-là. Fidélité au magistère, fidélité à ce que les évêques disent, et lui, il est là pour expliciter. Évidemment, il y a beaucoup de décisions que les évêques prennent, et leur mise en œuvre dépend du dynamisme du secrétaire général. À ce niveau-là, et avec ce titre, tous les honneurs qu'on lui doit, il est appelé toujours à plus de fidélité, plus d'écoute, puisqu'il n'écoute pas simplement les évêques, il écoute aussi le monde pour que, lorsque les évêques sont réunis, il soit aussi le porte-parole des attentes, des espoirs, des souffrances et des détresses de la population. Donc il est appelé à cette double fidélité au magistère, c'est-à-dire aux évêques quand ils parlent, mais aussi au peuple, pour que les évêques puissent bien recueillir les attentes du peuple afin de les prendre en charge dans leur ministère. Comme il a dit lui-même, c'est une reconnaissance du travail immense qu'accomplit la Conférence épiscopale nationale du Congo, et lui il n'est que le porte-parole, mais un porte-parole efficace, dévoué et très disponible pour rendre visible le travail de nos pères évêques. Je retiens de lui un homme très engagé, un homme d'abord de grande fermeté, de grande volonté, très disponible et très engagé. Il ne recule pas, il mesure la grandeur de sa mission et il y va. Et donc là, je dis toutes mes félicitations à Mgr Donatien Cholet et nos prières l'accompagnent pour l'accomplissement harmonieux de cette noble mission d'être le porte-parole de la Conférence nationale, épiscopale nationale du Congo, mais aussi d'être, je dirais, la fenêtre visible du travail immense qu'accomplit la CENCO sur le chantier sociopolitique pour la dignité du peuple congolais et pour le bien-être, pour construire un Congo plus beau qu'avant. Je crois qu'il fait du bon travail, nous en sommes fiers et nous prions pour lui. Thank you.